J'ai acheté un corps de ferme à 1h30 au nord de Lyon. L'idée, c'est de déjà rénover la partie habitation pour y vivre et de développer en parallèle mon autonomie alimentaire, la partie énergétique et la récupération des eaux de pluie. Du coup, l'ensemble, j'ai acheté ça à 80 000 euros, donc en 2020. Pour la partie travaux, j'ai un budget à peu près de la même somme de 80 000 euros. Quand j'ai acheté le corps de ferme, il y a une personne qui y habitait 4 ans auparavant. Tout était assez vieillot quand même, mais il y avait le strict minimum. Au fur et à mesure, du coup, je m'aménage des pièces en les rénovant et... Voilà, pour avoir de plus en plus de confort. Et puis l'idée de base, c'était donc de me faire une habitation pour moi, mais je voulais quand même que l'endroit soit un endroit où je puisse accueillir du monde, enfin qui est en tout cas de l'activité, que ce soit un lieu qui soit assez dynamique, parce qu'il y a quand même du potentiel. Il peut y avoir jusqu'à 1000 m² de plancher sur la totalité des bâtisques qu'il y a autour, et il y a 1 hectare de terrain, donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses à faire. Et je trouvais ça un peu dommage de faire ça que dans mon coin. Et j'aime l'idée de partager avec les gens qui sont de passage et qui souhaitent participer au projet. Mes critères de base, c'était d'avoir au moins 8000 m² de terrain pour développer. J'avais déjà cette idée de faire une forêt comestible, le potager et les plusieurs bâtisses pour essayer de développer plusieurs activités, quoi. C'est assez spécifique quand même. Du coup, j'ai quand même mis bien 1 an à trouver. Après, j'étais pas forcément trop pressé dans ma démarche. Je savais que ça allait prendre du temps, donc je me suis pris en avance. Avant, j'étais coordinateur travaux. Ouais. Et du coup, j'organisais les réunions de chantier avec tous les autres corps d'État dans le but de construire des bâtiments de A à Z. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé, mais j'étais déjà dans le système un peu classique et puis dans de la construction qui ne correspond pas forcément à mes valeurs. C'est de la construction traditionnelle. Après 5 ans, je suis parti en voyage pendant un an et demi autour du monde. Donc j'ai fait un tour du monde en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de ce que je voulais dans la vie, essayer de me rapprocher d'un mode de vie qui correspond mieux à mes valeurs. Et c'est pendant ce voyage que j'ai eu le temps de prendre du recul et que j'ai conceptualisé un petit peu le fait de développer un lieu en autonomie, dans le partage avec d'autres personnes, etc. À la fin de mon voyage, j'avais quand même besoin d'un peu d'argent pour commencer à lancer mon projet. Et c'est à ce moment-là que je suis retourné travailler 2 ans pour mettre des sous de côté et lancer le projet que je suis en train de créer. J'aimerais créer un local pour transformer la nourriture qu'on produit dans le potager. J'aimerais faire un atelier de menuiserie pour faire du mobilier ou des petites constructions. Et du coup, il y a une zone qui est dédiée aussi à la pépinière qui est en cours de création, quoi. On peut aller voir tout ça ? Allez, c'est parti. Donc là, t'as fait un truc que moi j'adore personnellement. Du coup, tu t'es fait un petit mur d'escalade perso. L'escalade, c'est une passion pour moi. J'avais pas la possibilité de grimper autant que quand j'étais en Haute-Savoie. Et donc, j'ai prévu de me faire mon petit mur à moi pour pouvoir pratiquer avec des potes autour d'un apéro. C'est toujours assez sympa. Comme on peut le voir un petit peu là, j'ai mis des bastins fixés dans les murs. Et donc j'ai créé toute une structure en fait à l'arrière en bois. Du coup voilà, donc on part de panneaux contreplaqués dans lesquels on perce des trous à distance souhaitée. Du coup on met des petites inserts comme ça dans les morceaux de contreplaqué, là où on fait des trous. Et après on visse nos prises avec cette partie là, quoi, avec des vis comme ça. Donc là on est dans la partie habitation que tu as commencé à rénover, donc qui était à peu près habitable sur le bas quand tu as récupéré. Et en haut c'était aussi un peu aménagé déjà ou... Non, pas du tout, ça servait de stockage à grains. Et du coup là où on était, il y a une période où il y avait 1 mètre de grains des fois ici. Ce qui servait aussi de faire de l'isolation pour l'hiver. Donc au lieu d'avoir de l'isolation, ils mettaient du grain ici et ça tenait au chaud la maison en bas, quoi. Quand j'ai acheté, il n'y avait plus de grains, heureusement. Mais il y avait quand même des tomates. Qui était posé sur un lit de sable de 10 cm et des planches en bois pour faire office de plancher. Donc on a évacué tout ça et ensuite donc j'ai fait une structure en périphérie en bois sur lequel j'ai mis mes fermacelles et à l'intérieur desquelles j'ai mis de la ouate de cellulose pour isoler. Donc on retrouve un peu le même principe pour les cloisons. On a de la structure bois, le fermacelle. Et à l'intérieur, du coup, je ne vais pas mettre de la ouate de cellulose, mais je vais mettre des panneaux semi-rigides en fibre de bois.
et ensuite mon dernier parement de ferme à sel. Et je vois que tu les as posés à l'horizontale, c'est ça ? Il me semble que les deux peuvent se faire. Ouais. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple de les poser à l'horizontale. C'est des plaques de 1 mètre par 1 mètre 50. Donc ça facilite grandement la maniabilité. Il y a des plaques qui font, il me semble, 2 mètres 50 ou 2 mètres 20 par 1 mètre 20. Mais qui sont très très lourdes. Et du coup, j'ai préféré faire ce format-là. Donc il y a un filet de colle qui se met entre chaque plaque et en plus de ça, elles sont vissées dans les structures en bois, quoi. Ensuite, on passe un enduit sur les parties joints. Théoriquement, suivant la finition qu'on veut apporter au ferme à sel, on doit enduire la totalité de la plaque pour avoir un aspect vraiment très, très fin pour de la peinture, par exemple. Et j'ai choisi de faire un enduit chaud sable et donc c'est un enduit qui est plus grossier. Donc j'ai pas eu besoin d'enduire la totalité de mes plaques. J'ai pu faire mon enduit directement sur le ferme à sel. Donc là, c'est le ferme à sel que tu as mis. Donc exactement. Là, peinture par-dessus pour faire la finition comme ça. Et là, le lambris, tu as mis quoi ? Tu as refait un lattage, non ? Ou c'était comment ? J'ai créé une structure devant qui est accrochée à la toiture, à la structure charpente. Et donc au fur et à mesure que je montais, j'ai mis en place la ouate de cellulose tout à la main. Décardé à la main. Habituellement, quand on met de la ouate de cellulose, on utilise une machine qui décarde et qui insuffle en même temps. Mais étant donné que j'avais plusieurs zones à faire dans des intervalles différents et que la machine coûte assez cher à la location, j'ai préféré tout faire à la main avec des seaux et de verser au fur et à mesure de l'avancement, quoi. Après, il faut quand même respecter une densité quand on fait de la ouate de cellulose. C'est entre 40 et 50 kg par mètre cube. Donc on prenait un caisson de référence, on mesurait, puis on savait un petit peu combien on mettait de sacs, c'est des sacs de 10 kg. Donc on calculait combien de sacs étaient nécessaires pour ce caisson-là, et comme ça on estimait un petit peu le tassement qu'il fallait pour continuer pour la suite. Après, on est dans une rénovation, donc il y a beaucoup de ponts thermiques, on n'a pas 40 cm d'isolation sur toute la maison, donc on n'atteint pas ses performances. Mais ça me semblait important sur ces points-là d'avoir beaucoup d'isolation. C'est, je pense, là où on gagne énormément. Là, on est dans ta chambre qui est toute refaite, du coup. Ça servait de grenier ici aussi. Donc, on partait sur la même base que les pièces d'à côté. Et du coup, après la toiture, c'est la première pièce que j'ai voulu faire pour avoir un espace à moi qui soit confortable, qui soit au sec, avec de la lumière. Maintenant, en fait, je peux vivre sur mon lieu de façon confortable et plutôt confortable, tout n'est pas parfait. Et du coup, ça me convient et j'ai pas envie de me mettre une pression qui serait inutile. Par contre, mon prochaine étape, c'est de remplacer mon système de chauffage d'eau chaude. Donc pour ça, il faut que je le fasse dans la période estivale. Donc c'est ma seule limite, on va dire. Pour mes travaux, c'est de respecter ce temps-là pour que l'hiver prochain, j'ai mon nouveau système de chauffage, etc. Mais il y a plusieurs choses qui vont ensemble. Il y a la cuisinière à bois, bouilleur, donc il y en aura une nouvelle qui va se mettre en place. Et donc toute la partie locale technique avec la récupération des eaux de pluie qui va aller dans au niveau du local technique où il y aura un ballon tampon, il y aura le chauffe-eau solaire qui sera accordé à la nouvelle salle de bain, au nouveau réseau. Donc je serai plus sur le réseau d'eau courante, donc je vais recréer tout un réseau. J'ai la chance d'avoir beaucoup de toitures, donc ça c'est un gros avantage et grâce à cette surface, je peux être largement autonome en eau, quoi. Il y a deux fois 15 mètres cubes, mais la majeure partie de ce stockage sera destinée à la partie pépinière et je prendrai ce qu'il y a besoin pour la partie habitation, quoi. Cuve en béton enterré. Pour reminéraliser l'eau de pluie et ça permet de limiter le développement des algues aussi, le fait qu'elles soient enterrées dans des cuves en béton, et par-dessus ça me permet de créer par exemple des places de parking. En plus c'est pas un espace qui est forcément perdu, quoi. Pour la partie autonomie énergétique, du coup j'ai mon bois qui me permettra de me chauffer, de faire mon eau chaude. En plus de ça, mon eau chaude sera combinée avec des capteurs solaires pour la partie plus estivale quand on fait pas de bois. Et après, je pense mettre des panneaux photovoltaïques pour la partie électrique, quoi. J'ai une bonne exposition de la toiture, donc ça me permet de profiter au maximum. J'ai une pente à 45 degrés en plus, donc c'est assez optimum pour poser des panneaux quand même. Par contre, du coup, dans ma démarche d'autonomie, je trouve ce qui est limite le plus important, c'est d'essayer de réduire au maximum quand même mes consommations.
Donc le fait de vivre ici et de se rendre compte de tout ce qu'on consomme, ça te donne envie et ça pousse à limiter un peu toutes nos consommations. Du coup voilà, donc là j'ai utilisé le même principe avec des structures bois, du ferme à sel, et du coup j'ai opté pour un enduit chaud sable avec un ajout d'ocre ici et sur les autres murs en naturel. Il faut quand même faire attention à bien gérer l'hygrométrie, parce que avec de la chaux, c'est de la chaux aérienne, il faut faire attention à ce que la chaux ne sèche pas trop vite. Si elle sèche trop vite, la carbonatation de la chaux n'a pas le temps de se faire et on a un aspect friable en fait. Sachant que le ferme à sel, c'est quand même de la cloison sèche et du coup elle a tendance à pomper un peu la chaux. Mais après, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet ou quoi. Donc j'ai essayé de me rapprocher d'associations dans le coin qui travaillent le bâti ancien. Mais il y a un mix entre le bâtiment ancien et des techniques de ferme à sel qui sont nouvelles. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont expérimenté ou qui partagent là-dessus, quoi. Donc j'ai essayé de faire des tests un petit peu de mon côté pour me rendre compte comment ça allait réagir. Et après, je me suis lancé, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un petit coup de pression. Donc on a passé une bonne journée à trois à faire toute la pièce. Et après, il fallait réhumidifier un petit peu avec un pulvérisateur pour que voilà, la carbonatation ne se fasse pas trop vite et tout. Et j'étais un peu psychose avec ça. Et du coup, en pleine nuit, à 3h du matin, j'étais en mode putain, il faut que j'aille arroser le truc. Et j'ai fait toute la pièce avec mon pulvérisateur. Et là, du coup, j'ai un peu foiré parce que là, j'ai commencé cette partie-là. Après, j'ai fait ici et après, j'ai fait la partie haute. Okay. Et donc, quand j'ai repris ici, l'enduit en bas avait déjà séché. Et du coup, ça a fait des traces un peu particulières. Du coup, mur en pierre, un peu le même principe. Enfin, même principe, c'est de la chaux sable avec du sable de granulométrie différente. C'est du sable de carrière plutôt, et ici j'ai utilisé du sable qu'on trouve dans les magasins de construction et qui est très fin. J'ai essayé de sélectionner le sable le plus fin. Bon, t'as la chance d'être un peu du bâtiment vu que t'étais coordinateur de travaux, et du coup t'avais déjà pas mal de connaissances sur les matériaux, les techniques, les outils, ou comme c'est des trucs qui sont quand même pas très courants, genre ferme à sel et puis enduit dessus. J'avais des bases donc théoriques sur la construction. Après, comme je suis vraiment dans une démarche d'éco-construction, ça, il y a beaucoup de choses qui varient par rapport à ce que je faisais avant. Et du coup, c'est beaucoup de prises d'informations sur internet, par le biais d'associations aussi. Et avec des échanges avec des personnes que je rencontre qui sont un peu dans la même démarche de rénovation, d'éco-rénovation. Pour les associations, je vous conseille Maison Paysanne de France, qui sont vraiment géniaux, ils sont dans toute la France, et donc il y a plusieurs associations localement. Mais rien que par le biais d'Instagram, j'ai rencontré aussi des gens qui sont dans la même démarche, et j'ai rencontré des amis, des gens qui sont maintenant des amis et qui habitent pas très loin de là et avec qui on échange et on arrive à trouver des solutions, on arrive même à s'échanger des fois des outils. Tu veux qu'on rentre dans le poulailler ? Fais gaffe à la tête déjà quand tu rentres. Donc là on est à la petite partie poulailler, enfin petite, c'est un joli poulailler je trouve. C'était déjà ici, c'est vraiment une ferme à l'ancienne comme ça se faisait avant, où ils avaient plusieurs productions. Moi j'ai que 9 poules, pour l'instant ça suffit largement pour nos besoins. C'est uniquement pour les œufs. Je n'ai pas passé le cap de tuer mes poules encore, donc on... Moi c'est une question que je me pose, que je me dis... Ouais, quand tu les vois tous les jours, que tu viens les nourrir, ramasser les œufs et tout, tu t'attaches forcément un peu, ouais. Ben, c'est vrai que tu t'attaches, mais surtout, au début j'avais 3 poules, je crois. Après j'en ai eu 5, et maintenant j'en ai 9. Et en fait, plus t'en as, moins t'apportes de l'importance à chacune, quoi. Ah ok. Au bout d'un moment, c'est des poules, et puis elles font leur vie. Le soir je les rentre, okay. Je leur donne à manger et tout. Mais c'est pas pareil qu'effectivement quand t'as tes premières poules, que t'en as pas beaucoup et tout, tu... Elles ont plus de valeur quand même. Ok, au bout d'un moment, et quand on a beaucoup, ça... Ouais, ça prend une forme un peu différente. Donc peut-être que tu finiras par les manger. Je sais pas, après je me passe largement de poules et de viande. Ouais. Je me passe largement de viande et du coup, c'est pas ce sera pas un plaisir pour moi quand même de tuer un animal. Oui, ça reste...
Donc, même si tu n'es pas attaché. Ouais. Ça, ouais. Effectivement. Je comprends. Pour nettoyer et tout, enfin, t'as la place de rentrer dedans, t'as la place de. Ouais, c'est assez agréable quand même pour nous, pour aller chercher les œufs, pour donner à manger, il y a tout qui est à l'abri, etc. Donc c'est cool. Mon problème ici par contre c'est que j'ai des rats qui viennent, ils viennent manger dans les gamelles, ils viennent manger les croquettes. Du coup je dois fermer les granulés tous les soirs pour pas que les, pour pas que les rats bouffent tous les stocks de granulés quoi. Et là donc là elles peuvent sortir par là et tu fermes le soir pour les prédateurs et tout ça ouais. Alors ouais elles prennent la petite rampe ici, on verra après il y a une autre petite rampe pour descendre dans la partie parc. Et du coup je ferme la trappe tous les soirs. Pour éviter qu'il y ait des prédateurs effectivement qui rentrent. Ok, ouais. Après, j'ai l'impression que le fait d'avoir ces petites rampes pour monter et descendre, ça attire quand même moins les. Enfin, ça fait un petit frein quand même pour les prédateurs parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier de fermer et j'ai jamais eu de problème. Mais je sais qu'il y a des voisins qui se sont déjà fait croquer leur poule plusieurs fois même, donc c'est un problème assez récurrent. Qu'est-ce que c'est que cette petite tourelle ? C'était un toilette à l'ancienne où il y avait une fosse du coup en bas et du coup nous on a transformé ça en toilette sec avec un seau, les copeaux, quand le seau est plein, on a un compost dédié aux toilettes secs et on peut réutiliser ce compost après 2 ans de dégradation. Donc on essaye plutôt par contre de les mettre au pied des arbres et pas dans le potager. Et quand il n'y a pas grand monde, tu peux ouvrir un peu la porte comme ça tu vois la vue. Je te racontais comment j'obtiens mon bois. J'ai rien rangé là, c'est vraiment le bazar. Pour l'instant la maison elle fonctionne au bois, c'est le système qui existait déjà. Donc c'est une cuisinière à bois bouilleur. Et donc c'est un système qui est un petit peu vieillot, enfin le poêle est un peu vieillot. Et il commence à avoir des fuites etc. Donc j'aimerais le remplacer par la même chose, par une cuisinière à bois bouilleur plus récente et plus performante aussi. Et du coup le bois c'est une ressource qui est locale pour être autonome en énergie, c'est peut-être la meilleure solution selon moi de chauffer au bois. J'ai mon bois grâce à un voisin agriculteur qui a des prés et sur lequel il y a des arbres qui tombent pendant les tempêtes etc. Donc lui il se sert pas de ce bois, il veut s'en débarrasser, donc avec lui je vais travailler dans les champs et on débite le bois et du coup en contrepartie il me donne le bois qu'on fait ensemble quoi. Si j'ai besoin de plus, j'ai juste à lui demander qu'on aille travailler une journée, une demi-journée ensemble et puis on ramène une remorque entière en une journée, ça va assez vite quand même. Après il y a quand même pas mal de boulot pour tout fendre, mettre à bonne dimension pour après que ça puisse aller dans le poêle quoi. L'hiver on fait 1 à 2 brouettes par jour quand même. Mais l'isolation n'est pas au top, le poêle il n'est pas au top en termes de rendement non plus. Au niveau du séchage du bois et tout, on n'est pas optimisé, on le sait. Donc ouais, c'est assez chronophage. Tu chauffes avec ton poêle bouilleur donc la maison et tu chauffes l'eau, c'est ça pour l'instant ? Exactement, ouais. J'ai un système donc avec un ballon d'eau chaude qui se trouve au-dessus, à l'étage, au-dessus du poêle. Et donc par thermosiphon, la chaleur va directement se stocker dans le ballon qui est à l'étage. Donc sans électricité, je peux avoir de l'eau chaude quoi. Là on est dans la partie potager, qui est assez importante à développer je trouve sur ton installation. Alors là c'est donc la deuxième année que je suis ici sur le lieu. Du coup on commence un petit peu à se rendre compte de comment on doit un peu gérer le truc pour tendre un peu vers de l'autonomie. Et du coup on s'est rendu compte l'année dernière qu'il faut quand même faire beaucoup de production et bien gérer le tournus de tout ça. Du coup je dis on parce que on est 2 maintenant sur le projet. Il y a Théo qui est mon coloc qui a rejoint le projet l'été dernier. Du coup il était venu m'aider sur les travaux de la partie habitation. Il a bien aimé l'endroit. Lui il fait une thèse sur la géomorphologie des rivières. Et du coup, en parallèle, il est passionné par la permaculture, par le potager. Et c'est lui qui gère du coup énormément la partie potagère. Moi, je suis un petit peu moins dessus. J'ai mes autres projets avec la partie rénovation et la partie pépinière. Comme on s'est rendu compte qu'il fallait quand même bien produire pour se nourrir toute une année, forcément, on se rapproche un petit peu aussi des modèles maraîchers. Où on fait beaucoup plus des lignes pour voilà, avoir
une facilité dans nos récoltes, dans notre culture, dans les semis, dans les plantations, etc. On a tout le temps du couvert dessus, donc ça demande beaucoup de matière et beaucoup de manipulation, enfin beaucoup de travail quand même, de pouvoir tout le temps mettre de la matière sur le sol pour qu'il soit recouvert, pour pas qu'il s'assèche et qu'il y ait toujours de la nourriture à donner au sol, quoi. Et du coup, on se fait livrer également de la tonte par la commune, enfin les paysagistes qui tondent dans la commune. Ça les arrange et puis ils sont aussi contents de pouvoir aider un peu le projet comme ça. Ils sont assez ouverts à ça, en tout cas ici, ouais. Donc ça, c'est la serre de Théo. Les tubes sont tous assemblés et ce qui tient vraiment la serre, c'est la bâche. La bâche, elle est mise par-dessus et ensuite, elle est enterrée à peu près sur 50 cm, on remet de la terre par-dessus et c'est comme ça que l'ensemble tient. C'est hyper intéressant pour démarrer super tôt. Là, on a commencé à mettre des tomates. Par contre, le risque, c'est qu'il fasse trop chaud l'été, quoi. On essaye de ventiler au mieux avec les deux portes. Et donc là, il y a une deuxième serre qui est en fait la première, ça, si j'ai bien compris. Alors en fait, j'accueille des volontaires sur le lieu. Ils ont passé une semaine à 7 pour faire la structure. Il faut être assez précis dans ce qu'on fait quand même, parce que c'est un assemblage qui tient tout ensemble et il y a donc plusieurs longueurs de structure. Après, il y a les connecteurs, il y a plusieurs connecteurs différents. Donc là, nous, on a tout fait par nous-mêmes avec du bois. C'était pas forcément évident, ça match pas tout le temps, mais dans l'ensemble ça donne quelque chose quand même d'assez sympa. Il y a un site internet qui est dédié un peu à la construction de dômes. On a juste à rentrer le nombre de facettes qu'on veut, la dimension, etc. Et ça nous donne toutes les longueurs nécessaires. Donc on avait la structure en bas. Et donc après, il y a souvent la question de l'eau qui s'infiltre, qui pourrit les bois, etc. Donc Et puis il faut tenir la bâche aussi. Donc après, on a remis des lithos par-dessus qui sont traités pour résister à l'humidité et qui tiennent la bâche. Donc on a découpé des sections de bâche pour pouvoir faire cet effet arrondi, quoi. Et après, par contre, tu me disais que c'était peut-être pas l'idéal pour une serre. C'est difficilement gérable quand il commence à faire trop chaud parce que ou même trop froid. Parce qu'on n'a pas créé d'ouverture comme il faudrait pour totalement fermer. J'ai redécoupé à l'intérieur des espaces où il y avait de la bâche pour que ça ventile plus, pour pas qu'il y ait trop de condensation. On a du mal à réguler, à avoir des températures un peu idéales à certains moments. Donc ça réduit notre temps d'utilisation de la serre, quoi. Je suis très fan du principe de forêt comestible et du coup j'ai dédié 5000 m² à faire une forêt comestible. J'ai eu de la chance parce que j'ai planté en avril de l'année dernière et on a eu une année hyper pluvieuse, donc j'ai pas eu besoin d'arroser mes arbres. Et ça, c'est vraiment un sacré avantage parce que il y a une cinquantaine d'arbres qui ont été implantés et c'est assez chronophage aussi de tous les toutes les semaines mettre 10 litres par pied. Ça peut prendre pas mal de temps quand il y a une surface comme ça à gérer, quoi. Et au fur et à mesure des années, du coup, je vais implanter les autres strates d'arbustes, de rampants, de grimpants, une fois que les arbres ont bien grandi. Si tu plantes des pommiers francs, c'est des arbres qui peuvent mettre en fructification dans 10 ans, tu vois. Mais après, ils vont produire pendant des centaines d'années. Après, si tu mets des arbres qui sont plus petits, qui sont nanifiants, ils peuvent produire au bout de 2-3 ans. Mais au bout de peut-être 15-20 ans, ils seront assez affaiblis et ils produiront moins. Alors moi, vu que mon terrain est au sud de la partie habitation, j'ai souhaité mettre mes arbres les plus grands au sud pour pas qu'ils me fassent de l'ombre sur le potager et la maison. Et du coup, j'ai créé une sorte d'entonnoir un petit peu pour pas qu'ils fassent trop d'ombre à l'ensemble de la forêt. Et j'ai créé aussi une clairière juste après la zone des grands arbres pour séparer un petit peu et que l'ombre n'attaque pas trop dans les arbres qui sont plus au nord, quoi. J'ai pas de formation sur les arbres, mais comme c'est une passion, c'est avec plaisir que je passe du temps, que je me renseigne sur internet, dans des bouquins pour avoir des connaissances. Ce qui est important, je pense, au début, c'est surtout de faire beaucoup d'observations du lieu. Ça, c'est une base de la permaculture, quoi, et du coup ça s'applique pour une forêt comestible, pour connaître les vents dominants, du coup la course du soleil, la végétation qu'il y a autour, si le sol il retient plus ou moins l'eau,
Et donc ça donne des éléments quand même pour construire la forêt. Mon projet, c'est cette année de monter une pépinière d'arbres fruitiers. Donc j'aimerais y proposer tout ce qu'on pourrait mettre dans une forêt comestible. Et du coup, ici, on retrouve les arbres qui seront vendus en racines nues. Donc c'est des arbres assez traditionnels. On trouve de la pomme, de la poire, de la cerise et de la prune. J'utilise trois méthodes pour multiplier mes végétaux. Là, on est sur de la greffe. Donc on sélectionne des porte-greffes et des greffons pour avoir une variété qui soit bien adaptée à l'endroit où on l'implante. Ça, c'est la première technique. Ensuite, on fait de la bouture et du semis en direct. L'intérêt d'avoir une serre, c'est de mieux maîtriser un peu les conditions dans lesquelles évoluent, dans lesquelles grandissent les végétaux. On a la possibilité d'ouvrir les portes quand les températures sont trop élevées ou de les fermer quand on veut qu'ils fassent meilleur à l'intérieur. Et on est un peu plus protégé quand même des gelées. Enfin, en règle générale, les végétaux ont une meilleure croissance dans la serre. On a une ombrière avec un voile à 50% d'ombre. Ça sert à ce que les végétaux qui soient petits, un peu sensibles, ne soient pas trop exposés aux fortes chaleurs de l'été, quoi. Et du coup, là, ton projet, il est un peu atypique, enfin, même si on en voit de plus en plus des projets dans ce style-là, mais ça a été bien accueilli quand tu es venu dans la commune et que tu as présenté un peu ton projet de construction et tout ça, ou... Ouais, j'étais vraiment surpris de voir que les gens sont intéressés au projet et... Enfin, je m'entends bien avec tout le monde, je crois. Et même, y a des agriculteurs du coin qui m'aident des fois pour ramener de la matière. Ou y a des agriculteurs avec qui je vais faire le bois, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est plutôt agréable, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais je pense que les gens sont contents aussi de voir qu'il y a des jeunes un peu qui s'installent et qui recréent un petit peu de dynamique localement, quoi. T'as pas trop de jugement sur, par exemple, des agriculteurs ou, enfin, genre parce que tu fais de la permaculture et que ça n'a rien à voir, eux, peut-être avec leur technique Ici, on est dans le Charolais, donc c'est beaucoup de la viande bovine. Donc, c'est un univers encore différent du maraîchage et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de jugement là-dessus, quoi. Enfin, j'ai trouvé plutôt les gens bienveillants et intéressés par le projet. Merci beaucoup pour la visite, c'est ultra intéressant. Et donc je mets en description le lien vers l'Insta et le Facebook de ta future pépinière, ouais, qui va ouvrir en automne, là, c'est ça ? En automne, ouais, c'est la pépinière La Forêt Comestible. Et t'as aussi un Insta où tu montes un peu tes travaux, le potager et tout ça. Voilà, c'est Autonomie Partagée, du coup. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, on vous dit à bientôt les pingouins.